Le Grinch parle. Non mais c'est clair. Je suis dépité, je sais plus quoi dire. Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau vlogmas. Donc là il est presque pratiquement midi. Ce matin j'ai traîné et j'ai fait principalement du montage, voilà, pour pas changer. On a Mimi qui n'est pas loin en poule. Donc là aujourd'hui on va enfin s'occuper du cas du sapin. C'est pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Donc là à midi je mangeais juste avec Hugo, c'est McDo pour être plus rapide, parce qu'après Mounette elle a un rendez-vous au scanner très rapidement après. Donc voilà, comme ça elle mange en vitesse. Et après on va se balader, parce que du coup on va acheter les trucs pour le sapin qui manque. Et je voudrais trouver un cadeau à mon père aussi, parce que je n'ai toujours rien. Hugo il a trouvé mais moi j'ai pas trouvé. Et ça m'angoisse parce que c'est la seule personne qui me manque. D'habitude je suis au taquet. C'est compliqué parce que son anniversaire c'était il y a pas très longtemps. Et Hugo c'est pareil en fait, c'est en décembre son anniversaire. Mon père c'est en novembre. Donc du coup quand c'est rapproché comme ça c'est hyper compliqué de sortir de l'originalité et tout. C'est un peu compliqué, donc je vais aller chercher l'inspiration cet après-midi. Vas-y Hugo, montre au vlog ce que tu me dis depuis, allez, 10 minutes. Comme à moi, vas-y fais. Il y a Monsieur Noël. Il me fait ta vue, il y a Monsieur Noël. C'est bon, j'ai compris une fois, deux ouais, fois, trois stylé. Fois. C'est stylé dans le froid. C'est stylé, moi j'adore ces chaussures, je vais être pareil, voilà. Et ben voilà, t'es presque pareil. Bon, peut-être pas à niveau morphologique quand même pas, faut pas abuser. Mais... à ce rythme-là, ceci dit. Oui, voilà. Donc, à midi McDo, moi j'ai pris ma petite salade César. Tu t'es perdu une potatoes en route, on n'a rien vu. Petite salade César, moi j'adore. Hugo, t'as pris quoi? Le retour. Le retour. Is back. Ah, ah t'étais chiant d'entrer. Voilà, les CBO. Oh voilà. Mon dieu. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti. Ouais, c'est vrai. Avec des petits nuggets. Voilà, et des trucs. Tu prends des potatoes en fait maintenant. Avant, tu prenais des trucs. Ouais, mais c'est bon. Eh ben oui, je t'ai dit que c'est bon. Voilà. Regardez la Mimi, si elle est pas heureuse sur son arbre. Elle est au sommet du monde. Et la souris tient toujours, je suis hyper étonnée. Et en dessert, Mounette, elle pense toujours à nous. C'est bien trop aimable, elle devrait pas. On a une petite frangipane. Et il y a couronne dedans. Regarde. Ah oui, elle y est. Ouais. C'est qui va avoir la fève? Ah ben j'espère que c'est moi. C'est toujours que... toi qui l'a. Voilà, sûr, elle ça fait exprès. Mais il n'y a pas maman à midi, donc ça va être le hasard. Et... bon, le couteau est complètement surdimensionné par rapport à la frangipane, mais c'est pas grave. Fais attention. Non mais regardez-le comment il regarde sur les portes. Moi je prends la petite. Bah celle-là elle est trop grosse. Il n'y a personne dans la famille qui joue l'accordéon, donc c'est moi la dernière. Bon. Des... y'a rien. Et toi? Qui a pris la relève. Mais toi tu ouvres carrément? Non, y'a rien. Bon. Pas de roi et de reine à midi. J'ai croqué dedans, j'ai la fève. Je suis la reine. Oh mon dieu, bon, fou, elle est énorme. Je la garde. Toi t'as un problème. Moi je suis un dictateur. Mon dieu. J'ai fait une pétée une dent, elle est vachement grande. Je l'avais pas vue. On a Zozo qui est venu avec papa Hugo nous rendre visite. Regardez l'état de Bella. Là ça y est, là un lézard peut passer, elle va même pas le calculer. Oui, je vous ai pas dit, mais bon, ça va pas du tout entre elles. De toute façon, peu importe, ça vient pas de Zozo, ça vient de Bella. Elle n'aime pas les chats, un point c'est tout. Elle tolère les humains. Elle aime bien quelques humains. Et les robots. Et les robots, accessoirement. Mais les chats, ça ne passe pas. Donc là, si on est là, ça va. Mais dès qu'on s'absente, c'est la guerre. Tellement dommage. Elle est si gentille. Elle s'endort presque. Ouais, non, mais là c'est sûr. Là, c'est l'heure de la sieste dans pas longtemps. Pour elle aussi, d'ailleurs. Donc là, il est 14h35. On va y aller. Donc aujourd'hui, tout en noir. Noir et gris. C'est très rare. J'ai mis une combi short que j'ai depuis quelques 2-3 ans, je crois. Elle vient de chez Bershka. En fait, elle se zip comme ça et elle est vachement mignonne. Moi, je zip pas jusqu'en haut. J'ai mis mon Perfecto habituel. Et après, j'ai mis des bottes que je m'étais achetées sur River Island qui sont en... vous savez, en suédine, noir, et il y a des volants en fait, on voit pas trop de là, mais il y a des petits volants sur le côté. Et voilà, et mon sac qui est en velours noir comme ça, c'est mon petit dernier, je l'ai acheté à Paris la dernière fois, j'ai oublié de vous le montrer, mais voilà, on va dire c'est mon petit cadeau de moi à moi. C'est le meilleur cadeau, et voilà, bah, écoutez, c'est tout. Donc je vais, ah oui, et sur les lèvres, j'ai mis le Gemini, je crois, de Jeffree Star, et j'aime beaucoup. Il a l'air, en tout cas il est hyper confortable, j'aime bien la couleur. Regardez, je suis au paradis des plaides, regardez ce que j'ai trouvé. Minou, s'il te plaît, regardez comme il est beau. Il est tout rouge, en fait il est comme ça et de l'autre côté il est tout fourré.
Il y en a une qui va adorer. Il y en a plein partout. HHM, ce haut, un peu blazer comme ça, croisé. Hyper joli, 24,99€. Regardez, c'est celui-là sur le mannequin. C'est vachement joli. C'est un peu long, mais moi, avec un simili cuir, j'aimerais bien. Vous vous souvenez quand on nous appelait les... quand on s'appelait les jumelles parce qu'on s'achetait les mêmes choses? Bah, du coup, elle avait essayé le même haut que moi. Et moi, j'ai pris la même chemise de nuit. Qu'elle s'est prise, regardez, comme elle est jolie. C'est des petits rennes. 5 minutes plus tard, en cabine d'essayage, le mien ne va pas et celui de Mounette ne va pas. Donc écoutez, on prend pas. Comme ça, c'est fait. Bon, au final, on est à la farfouille. On a fait tous les magasins tout l'après-midi. Pas du guirlande nulle part. J'ai cru péter un câble. Au final, on en a trouvé. Du coup, comme je vais le faire rose gold et rose pâle, bah, j'hésite. J'ai pas 36 solutions. Moi, je pense que je vais prendre celle-ci. Moi, je vais prendre ça et les perles. Ça y est, c'est une mission réussie. J'ai cru qu'on allait rentrer encore bredouille. Franchement, les guirlandes, ça existe plus ou quoi? Mais je te l'ai dit. Non mais, on va pas repartir là-dessus. Venant tu m'énerves là. Elle fait que me dire, mais tu veux dire quoi par guirlande? Je sais plus comment lui expliquer ce que... Non mais plus, hein. Que des nœuds. Non, c'est pas parce que t'as acheté des nœuds aujourd'hui qu'on met que des nœuds. Hein, dites, rassurez-moi, dites-moi dans les commentaires. Les guirlandes, ça existe toujours. Elles mettent que des boules, des boulettes. Là, des mais non, le Grinch parle. Non mais c'est clair. Je suis dépitée, je sais plus quoi dire, j'ai froid, je me tais. Donc ça y est, je suis rentrée, il est 17h55, très exactement. Donc ben là, je vais faire mon sapin, ça y est, enfin. J'ai cru que j'allais jamais le faire, je vous jure. Bref, c'était quand même une journée réussie, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Même des trucs que je ne cherchais pas, comme ça. Bon, ça c'est juste pour faire un paquet cadeau, moi j'aime bien coller les trucs comme ça. Mon petit plaid que j'ai acheté du coup. Donc je disais le plaid tout doux, ça va être bien mieux que... Ça c'est le plaid de Bella qui ne ressemble à rien, mais elle adore ce truc, donc on le met exprès. Mais là, ça fera plus joli quoi. Donc voilà, ça c'était chez Gisque. C'est une enseigne que je connaissais pas qui a ouvert. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis après, bah, je vous ai montré la chemise de nuit H&M et puis les petites décos. Et ça c'est juste un petit pull chez Jennifer en velours comme ça. Et j'ai aussi trouvé le cadeau de mon père. Donc ça, je suis trop contente parce que on a bataillé pendant un moment, mais ça y est, j'ai trouvé, je lui ai pris une montre. Voilà, je vais pas vous montrer parce qu'il y a le paquet cadeau, mais j'ai pris une jolie montre. Donc voilà, ça va rejoindre tous les cadeaux. Et là, du coup, bon, on va faire le sapin. Une heure plus tard, au moins, voilà le travail. Bon, ça y est, j'ai tout réarrangé, du coup, je l'ai mis là. Bon, au final, j'aime pas les lumières, j'aurais dû prendre juste la couleur chaude. Donc, je pense que si j'ai la foi, franchement, j'irai m'en chercher d'autres. Mais, ouais, pour le moment, je vais essayer comme ça. Là, je vous avoue que ça me saoule un petit peu le sapin. Mais globalement, il est là, je changerai, je mettrai le blanc chaud en bas et j'enlèverai parce que du coup, j'aime pas trop. Mais voilà, du coup, j'ai mis l'étoile là. Et en plus, c'est vraiment les mêmes couleurs que j'ai un petit peu partout. Je trouve que ça fait moins mal aux yeux que ce blanc froid. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ce plaid. Je suis trop contente, ça rend hyper bien. Du coup, c'est parfait avec les coussins. Il y en a une qui l'a complètement adopté. Et Mimi, il est chouette ce plaid. Du coup, là, je vais clôturer le vlog parce que de toute façon, je vais me démaquiller, je vais aller manger. Ce soir, c'est lasagne, si vous voulez savoir. Et voilà, après, je vais éditer ce vlog masse. Enfin, on commence à comprendre un petit peu. Et je suis claquée. Là, j'avoue que peut-être que demain, on fera celui du salon. Je sais pas du tout, honnêtement. Écoutez, je sais pas du tout. Demain, j'ai juste prévu pas mal de montage parce que après, on part vendredi. Et jeudi, j'ai des rendez-vous. Donc, à mon avis, demain, ça va être journée à la maison, je pense. Donc, quoi qu'il en soit, bah, écoutez, merci d'avoir regardé ce vlogmas. Je vous laisse avec les lots à remporter du jour qui sont des coffrets NYX que vous voyez à l'écran. Pour participer, sans barre d'infos comme d'habitude. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!